Pour ces rôles-clés-là, il faudrait peut-être penser à du tirage au sort plutôt que de laisser juste les volontaires s'imposer, parce que souvent les volontaires, c'est des gens qui ont l'habitude de l'exercice et qui vont, pourraient être tentés de faire passer leurs idées. Voilà, et sinon bah, je vous invite à me poser des questions parce que c'est extrêmement dense et là je vois bien que je vous saoule. Donc, Merci aux sciences de Toulouse. C'est ça qui se joue. On en est à ce. Voilà. C'est intéressant. Je vais t'inscrire, ensuite c'est commun. Juste, un peu général, par rapport aux revendications qui sont remontées de toutes les assemblées, est-ce qu'il y a eu un travail comment? C'est assez uniforme par rapport à ce que nous on a déjà fait. D'accord. Et il y aura une plateforme qui va être... On nous annonce, parce que le dimanche, en parallèle, se tenait en off la date des geeks, qui ont a priori déjà des outils, déjà des serveurs à dispo, et qui font des tests de sécurité cette semaine pour vérifier la sécurité de la plateforme. Et derrière, la plateforme va être à dispo. Et dans un idéal de ce qu'on a discuté à l'ADA, ça nous permettra de faire à tous remonter nos revendications, mais de faire des banques de fly, des banques d'affiches, de manière à ce qu'on puisse... on parle aussi de banques avec les idées d'action, etc. Donc il y a vraiment une énorme ambition sur cette plateforme, cet outil de plateforme à venir. C'est pour ça que je disais, attendons de voir ce qu'ils vont... D'accord, ouais, ok. Voilà. Mais il y avait plutôt une cohérence dans toutes les revendications. On trouve une solution. Ouais. Mais voilà. Mais par contre, donc sur des trucs très pointu comme prisonnier politique, là ça a chopé un peu. Quoi. Parce que, comme disait Steph, les groupes de. A chopé. Moi personnellement, étaient dans mon dos, donc je saurais pas, mais que j'entendais brailler et tout ça, et on se pétait et tout ça. C'est. Le problème, si vous voulez, c'est nous étions à la Maison du Peuple. La Maison du Peuple, c'est un squat, avec tout ce qu'il y a d'alternative. Donc à l'intérieur du lieu, il y avait un énorme placard, qu'est-ce que c'est que les Black Blocs, etc. Il y avait une ouverture d'esprit au bloc qui était clairement affichée dans le lieu qui nous accueillait et dans ce qui met ce courant-là, même si depuis l'acte insurrectionnel, le dernier acte insurrectionnel, même si c'est quelque chose qui devient de plus en plus fort chez les jaunes, il y a encore des gens qui ont des réserves avec ça. Et puis même quand on discute avec les gens, ils ont conscience d'avoir changé. Et les gens, ils sont choqués de ce qui se choquerait eux-mêmes. Si je m'étais dit, il y a 5 mois, que j'allais dire tout le monde déteste la police et le penser du fin fond de mon cœur, les gens, ils ne pensaient pas à ça. Donc il y a aussi un travail de déconstruction personnelle qui n'est peut-être pas terminé. Enfin, moi, ça m'a donné vraiment l'impression que là, il y a un truc qui est en train de... En même temps, c'est faux, parce que du coup, un commercial, c'était déjà... un gros problème, ce truc de mettre anticapitaliste et de revendiquer le mouvement Gilets jaunes comme anticapitaliste ou non. Et il y avait déjà un énorme groupe de pression qui disait « Non, mais vous comprenez, ça fait peur, on ne peut pas dire ça, c'est trop extrême. » Il y a déjà deux, trois mois à commercier. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Oui. Moi, je voulais savoir est-ce que vous avez décidé d'une charte, finalement, de la charte, et s'il y avait boulot à la... Alors, Bulot était pas là, et la charte, c'est Montpellier, Christophe qui s'en occupe, avec qui je suis personnellement en contact pour l'avoir rencontré via d'autres biais. Ils ont eu un groupe de travail le vendredi sur la charte, puisqu'ils proposaient, pour ceux qui avaient lu les documents, ils proposaient une charte qu'on avait lue, qu'on avait trouvée assez sympa, on était assez d'accord ici pour l'accepter. Et en fait, ils se sont pris la tête dans le groupe de travail sur la charte, en disant que lui, il voulait faire une charte gilet jaune, et qu'on était à l'ADA et qu'il fallait faire une charte ADA. Finalement, ça explose en plein vol, ça n'a rien donné, il n'y a pas eu de groupe de travail par la suite. Moi, j'en ai reparlé à Christophe en disant que je trouvais ça regrettable parce que nous, on avait un mandat pour voter sa charte et elle avait fait plutôt l'unanimité dans notre groupe. Et il m'a dit qu'on pouvait absolument la voter et la faire remonter, qu'il y avait d'autres groupes qui étaient dans le même esprit que nous, qui l'avaient voté sur la préparation et qui pensaient faire remonter qu'ils l'avaient voté.
Et ça, c'est pareil, mais ça Boulot, fait partie des choses. Boulot, il n'a pas finalisé la sienne. Comment? Boulot, il n'a pas finalisé la il sienne. Il attendait ce qu'il donnerait. Ouais, ouais, voilà. Mais pourquoi il n'était pas là, Boulot? Pourquoi il n'était pas là, Boulot? Il a été invité, mais a priori, c'était quelque chose d'assez... là-dedans, on souhaite vraiment rester dans une horizontalité. Ceux qui sont à Commercy te diront qu'il y a des visages qui se détachent et que tu, quand t'es dedans, tu repères bien qu'il y a des leaders, contrairement bien à ce qui est affiché. Voilà, on veut pas de leader et Boulot il fait trop leader donc. Alors que eux, ils sont un peu. Eh voilà. Et aussi, justement, pour revenir là-dessus, il y a aussi un mouvement aussi qui se porte aussi contre les soi-disant leaders, donc on va pas les citer, hein, Boulot, Nicole, etc. Ouais. Et maintenant, ils vont leur demander, alors ça a été c'était un peu d'achoppement aussi, parce que maintenant, ils veulent leur demander de se taire. Laisser travailler là. Ça n'a pas été voté. Hein. Non, ça n'a pas été voté, mais voilà, ça a été quand même un point d'achoppement aussi. C'est ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Moi, je pense personnellement que je vois pas où est-ce qu'ils peuvent nous déranger, nous, en tant qu'Assemblée populaire, pour pouvoir justement travailler. Je vois pas l'intérêt de leur faire fermer leur bouche. S'ils ont envie de parler, mais encore, on est encore libre de. Il y a encore une liberté d'expression. Et je pense que ça peut aider aussi le mouvement à pouvoir justement avancer. Après, moi personnellement, ils ne me gênent pas parce que moi, je ne les écoute pas tant que ça non plus. Mais je pense que voilà, nous, on a un travail aussi à faire ensemble pour pouvoir avancer. Mais effectivement, s'ils peuvent aussi être un aiguillon pour pouvoir nous faire avancer, pourquoi pas? C'est pour ça que moi, je n'étais pas d'accord justement pour pouvoir. Mais ça, ça n'a pas été tranché, non. Donc, par contre, c'était un point d'achoppement pour nous. Si, ça a été tranché, on a refusé. On a refusé d'intervenir auprès d'eux parce que l'essentiel des personnes dans l'ADA avaient bien conscience qu'est-ce que tu vas à l'ADA, tu vas aller voir à Douai faire ta gueule. Il faut être sérieux. Il y avait vraiment une. J'ai pas été choquée par le public que j'ai vu. Ouais. Même en plus, quand vous avez fait la réunion, là, est-ce que vous avez parlé de refaire un 17 novembre? Non. Ah, dans un gros truc, il y en a souvent des gros trucs quand même. Oui, on refaire un 17 novembre. Pour lui-même, c'est finalement le redéconchement le 16 mars. Pour faire bouger les lignes. Moi, j'étais à Paris le 16 mars, en dessous, plein de personnes. Je peux dire que c'était l'arrière. J'attendais que ça, que vraiment ça recommence parce que j'avais l'impression que finalement, même à l'Europe, on faisait partie du décor à un moment donné. Les gens, ils passaient, on existait. Ouais, il a fallu qu'on refasse quelques blocus pour interpeller les gens, leur dire oh, on est là, hein. On n'a pas disparu, vous ne nous voyez plus, mais on est encore visible. Et le 16 mars, pour moi, j'étais super content. J'en ai pris plein la tronche toute la journée, mais alors j'étais content. On a recerté un nouveau 17 novembre. C'était le top du top. Et c'est ça qu'il faut. Il faut que ça claque. Le prochain acte insurrectionnel, c'est le 20 avril, avec un appel national à Paris. Samedi, c'est Toulouse, et le 1er mai, il y a une énorme convergence qui est amenée et attendue, et nous, on l'a appelé sur le cortège de Cannes. Ah oui, maintenant. 1er mai, syndical, gilet jaune, l'enquête. Oui. Alors voilà, j'y crois pas. Tu manques d'informations, il y a encore le cortège du 1er mai. Oui, mais le 1er mai, c'est manifestation nationale, syndicale, etc. Il y aura un cortège, j'imagine, syndical, et un cortège gilet jaune. Il y a des verts aussi, il y a tout le monde. Mais dans le même cortège, si les gilets jaunes prennent la tête du cortège black, jaune, bas, là, écoute, on l'a bien fait à Auxerre. On l'a fait aussi. Les syndicalistes, comme on disait, ils ont voulu prendre la tête. Enfin, moi, je ne sais pas. Ils ont pris la tête. Ils n'ont pas le monopole de rien du monde. Surtout qu'ils manifestent sur la rue, on a du mal à construire. Il y a un appel dans toute la France. Il y aura obligatoirement un appel national. Mais si vraiment les gilets jaunes prennent la tête du cortège. Historique.
qui a commencé en 1886 en Amérique et ensuite qui s'est poursuivi au début du XXe siècle et qui s'est organisé de plus en plus avec des bases ouvrières syndicales. Donc le mouvement des Gilets jaunes, il est tout neuf. Je pense que c'est un petit peu prémonitoire, enfin un peu présomptueux, je ne sais pas le terme pour expliquer, l'avant-garde de dire que les Gilets jaunes vont être en tête. Je pense que vous avez tout à fait votre place, enfin nous avons, enfin moi je me mets aussi un peu avec vous, mais je suis aussi syndicaliste, mais bon. Les Gilets jaunes ont tout à fait leur place dans cette manifestation, bien sûr, comme tout le monde, enfin d'ailleurs, parce que c'est pas réservé non plus aux syndicats quand même, mais que je pense pas qu'il faut en faire un préalable, une condition pour que ce soit, pour que les Gilets jaunes soient inclus dans la manif. Bon, après... Macron, il va baisser son froc tout doucement pendant 3 ans pour essayer d'amadouer les gens. Et vous verrez que la dernière année, il a donné plein de choses. Alors moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc là, ça parle de Saint-Nazaire. Voilà ce que j'ai entendu là-bas, moi. On n'est pas là pour avoir le monopole de les Gilets jaunes de quoi que ce soit. C'est, par exemple, à Auxerre, ça s'est vu, c'est la CGT qui voulait avoir le monopole. On lui a fait comprendre qu'il n'y avait pas de monopole, on a été devant juste pour les embêter, voilà, point final. À Saint-Nazaire, ce qui leur sort, c'est qu'ils voulaient tous qu'on fasse une convergence, nous y compris, mais regarde ce qu'on nous a demandé, d'y aller sans nos gilets jaunes. C'est une plaisanterie. C'est ce qui ressort de Saint-Nazaire. Attends, qui demande ça? Qui demande ça? Eh bien, on nous a demandé de venir, mais comme ce que tu viens de dire, comme ce que tu viens de dire, effectivement, le 1er mai, c'est les syndicats qui ont instauré ça depuis X taille, mais c'est pas une raison qu'on aille les rejoindre sans nos gilets jaunes. Ah oui, personne n'a dit ça. Je voulais dire que ça me semblait un petit peu. Et sans nos gilets jaunes. Ils sont bien d'accord. C'est-à-dire qu'Ahmed rapporte ce qui a été dit à Saint-Nazaire. Il y a eu cette tendance qui a demandé à ce que les jaunes aillent. Mais toi, tu n'as jamais dit que. Tu voulais répondre. Oui. Je ne veux pas. Elle a déjà répondu. Il y a une chose qui est importante. Me semble là, moi, je n'ai pas porté les idées jaunes. J'ai mes idées politiques. Parce qu'il y a des choses qui. Je le sens. Je suis avec. Et je participe. Et je. Même à la création aussi. Nous avons une chose très importante. On est en train de construire. Je n'ai pas envie de le détruire. Même le gilet jaune, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Il a pris des dimensions très importantes. C'est-à-dire. Il y a des convergences importantes. Moi, je cherche convergence. Et en plus, nous sommes différents. Et en plus, même là-bas, je vois qu'il y a des. J'ai vu là, dans le journal. Je vais dire une chose, c'est pas pour faire publicité. C'est le seul journal, c'est l'Humanité qui. Il y a beaucoup de. Je vous invite à le voir un peu. J'en ai. Hein. J'ai essayé de passer, mais elle n'a pas passé. Il faut le voir. Référence constamment au Rassemblement National. Et ça, ça me gêne, parce que ça me gêne énormément, parce que, bon, je suis désolée, enfin, je sais pas, je comprends pas, c'est pourquoi vous, ça veut dire quoi que vous faites. Ça veut dire après. Ça veut dire qu'on est dans un mouvement où il y a plus de gens. Moi, ça me gêne que quelqu'un, si tu veux, que le groupe qui se rapproche géographiquement de chez moi utilise la page Facebook Gilets jaunes, donc le Gilet jaune, pour faire la publicité du Rassemblement National. Moi, ça me gêne énormément. Après, tu en auras partagé. Le problème, c'est que dans ce mouvement-là, le problème, c'est que c'est la réciprocité et c'est Pour terminer, il a été discuté apparemment l'action par rapport au G7. Ben, moi, je trouve que c'est pertinent, parce que c'est quand même le rassemblement des plus grands responsables politiques
qui nous font une politique de merde au niveau du niveau mondial. Moi, je trouverais pas mal pour le fichiste quand même, si on ne peut pas effectivement avoir une action par, contre ces sept dirigeants politiques mondiaux qui nous font cette politique de merde au niveau du monde. Voilà. C'est marqué par le terme cortège de tête. Le terme cortège de tête, depuis plusieurs premiers mai, ça veut dire black bloc. C'est ça. Quand je parle de cortège de tête, je parle de black bloc. Voilà. D'accord. Les syndicats vont acheter des gilets jaunes. Non, mais c'est important ce que tu viens de préciser parce que. Il peut y avoir des gilets jaunes. Oui, non, mais attends, la précision que vient de faire Sam est très importante parce que dans le langage des syndicats, cortège de tête, c'est la partie qui est officielle en tête. Avec les dirigeants syndicaux qui marchent en tête, etc. C'est pour ça qu'on ne parlait pas de la même chose. Non, en fait. D'accord. On a qu'à se mettre devant eux. Et là, non, justement. Non, mais je déconne. Un premier mai, enfin, après. Non, mais il y a dans la banderole devant, il faut avoir les syndicats, les gilets jaunes, les CGT, les FO, de tout, les Ressout, tous. Ça n'arrivera pas. Voilà, tous ensemble. Mais d'accord. Il va falloir négocier maintenant, parce que déjà, c'est peut-être dès maintenant. C'est déjà une négociation. C'est pour ça qu'on est important. Alors, voilà. Alors d'abord. Le 1er mai, c'est la fête du travail, c'est pas la fête des syndicats. Donc la fête du travail en l'honneur de tous les travailleurs. Donc si les gilets jaunes se sentent travailleurs, je pense qu'ils peuvent se mettre où ils veulent. Voilà. Ah, c'est où. Voilà. Où ils veulent. C'est la fête du travail. Et, cher camarade, tu trouves indélicat le fait de camarade, enfin quelqu'un qui fait l'apologie du RN, mais tu trouves indélicat qu'on critique Martinez. La liberté de parole, c'est la liberté de parole. Donc après, si au Florentinois il y a trop de RN, c'est aux autres de poster et puis de noyer le RN. Et tu ne peux pas donner des bons points à ceux qui parlent à la parole. Non, je suis désolée. Les gilets jaunes sont assez larges pour. Moi, je ne défends pas le RN, mais le RN, vous le noyez, c'est un trop présent. Ils sont membres, on n'a pas dit non, mais je ne veux pas parler de Martinez, c'est pas là le problème. Non, mais on ne peut pas censurer, dire que le camarade n'a pas le droit de parler de Martinez. Non, mais moi, je parle. La liberté d'expression, si, t'as dit qu'on ne peut pas se faire manger. La liberté d'expression passe par aussi le respect de tout le monde. Les gilets jaunes, c'est quand même une des particularités. Alors, ça s'appelle pas des fake news. En 1990, je suis allée faire un stage à, comment il s'appelle, le journal de Nouvelle Obs, opposition, et tu vois, et Pasqua, il venait faire des petits déj d'information, ils se serrent tous la main. Au bout d'un moment, mais si, je compare, ils se serrent tous la main, ils se connaissent tous, c'est bon, c'est bien le problème. Le terme fake news, quand nous on parle là, c'est un peu fort. Hein. Ça, c'est le. C'est ma son plus gouvernement. Pour terminer, parce que moi, j'aime bien quand vous parlez clairement et qu'on soit tous clairs. On revient tous clairs dans l'intervention que j'ai faite précédemment, parce que du coup, tu as rebondi dessus aussi. Si je parlais de Dijon et que je faisais une distinction avec des guillemets entre des vrais gilets jaunes et des non-gilets jaunes, c'était pour rebondir sur la dénonciation des tentatives d'entrisme de la part de militants qui finalement étaient bien moins gilets jaunes que militants politiques d'extérieur, à savoir syndicaux ou de partis. Et je disais donc que dans l'AG de Dijon, je suis désolé, c'est une question de ressenti, en fait, quiconque irait le ressentirait, il y a moins de gilets jaunes que de militants politiques de tous bords. Ce que je ne dénonce pas fondamentalement, j'étais militant politique avant d'être gilet jaune, ok, et aujourd'hui, j'ai pas mangé, pas de chance vraiment, je suis parti en quelque sorte pour ce départ. Bravo. 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 Bravo.
très clair, qu'on soit très clair là-dessus. Il n'y a pas de bon et de mauvais gilets jaunes. On est d'accord, on parle de quelque chose de très précis. On parlait des tentatives d'entrisme à l'âgé des âgés. Voilà. Et donc, effectivement, oui, à mon sens, pour y avoir assisté et pour être jeune, l'âgé de Dijon fait sûrement partie des personnes qui ont fait plus d'entrisme que de tentatives de dialogue et de construction. Ça va de soi. Et on y était, et clairement, voilà. Parce que, c'est clair, il n'y avait pas d'esprit gilet jaune. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, en assemblée de nos assemblées locales, réunies à Saint-Nazaire, les 5, 6 et 7 avril 2019, nous nous adressons au peuple dans les conditions. Je pense que ça ne passe pas tout à fait. À la suite de la première assemblée de commerce, si environ 200 délégations présentes poursuivent leur combat contre les politiques d'extrémisme libéral pour la liberté, l'égalité et la fraternité. On est d'accord avec ça? Malgré l'escalade répressive du gouvernement, l'accumulation de lois qui aggravent pour tous les conditions de vie, qui détruisent les droits et libertés, la mobilisation sans racine pour changer le système incarné par Macron. Pour seule réponse aux aspirations convergentes des Gilets jaunes et autres mouvements de lutte, le gouvernement panique et oppose une dérive autoritaire. Depuis 5 mois, partout en France, sur les ronds-points, les parkings, les places, les péages, dans les manifestations, au sein de nos assemblées, nous continuons à débattre, à nous battre contre toutes les formes d'inégalité, d'injustice, de discrimination, et pour la solidarité et la dignité. Nous revendiquons l'augmentation générale des salaires, des retraites et des minima sociaux, des services publics pour toutes et tous. Notre solidarité et nos luttes vont tout particulièrement aux 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Conscient de l'urgence environnementale, nous affirmons fin du monde, fin du mois, même logique, même combat. Face à la mascarade du grand débat, face à un gouvernement non représentatif et au service d'une minorité privilégiée, nous mettons en place de nouvelles formes de démocratie directe. Concrètement, nous reconnaissons que l'Assemblée des assemblées peut recevoir des propositions issues des assemblées locales et émettre des orientations, comme l'appel de la première assemblée des assemblées de Commercy. Ces orientations sont ensuite systématiquement soumises aux groupes locaux. L'Assemblée des assemblées réaffirme son indépendance à l'égard des partis politiques, des organisations syndicales et ne reconnaît aucun leader autoproclamé. Pendant 3 jours, en assemblée plénière et par groupe thématique, nous avons toutes et tous débattu et élaboré des propositions sur nos revendications, actions, moyens de communication et de coordination. Nous nous inscrivons dans la durée et décidons d'organiser une prochaine assemblée des assemblées en juin. Vous voyez, tic-tac, tic-tac. Hein, afin de renforcer le rapport de force, de mettre l'ensemble des citoyens et citoyennes en ordre de bataille contre ce système, l'assemblée des assemblées appelle à des actions dont le calendrier sera diffusé par le biais d'une plateforme numérique dédiée et sécurisée. Excusez-moi, une question, quand on parle de système, c'est quoi, quel système? Le système incarné par Macron. Courage, on n'a pas suffi. L'Assemblée des assemblées appelle à élargir et renforcer les assemblées locales, souveraines et ancrées de nouvelles. Nous appelons l'ensemble des Gilets jaunes à diffuser cet appel et les conclusions de notre assemblée. Les résultats des travaux réalisés en plénière sont mis à disposition des assemblées locales pour alimenter les réflexions et les actions des assemblées. Nous lançons plusieurs appels sur les européennes, les assemblées citoyennes et populaires locales contre la répression et pour l'annulation des peines des prisonniers et condamnés du mouvement. Il nous semble nécessaire de prendre un temps de 3 semaines pour mobiliser l'ensemble des Gilets jaunes
et pour convaincre ceux et celles qui ne sont pas encore, nous appelons à une semaine jaune d'action à partir du 1er mai. Nous invitons toutes les personnes voulant mettre fin à l'accaparement du vivant à assumer une conflictualité avec le système actuel pour créer ensemble, par tous les moyens nécessaires, un nouveau mouvement social, écologique, populaire. La multiplication des luttes actuelles nous appelle à rechercher l'unité d'action. Nous appelons à tous les échelons du territoire à combattre collectivement pour obtenir la satisfaction de nos revendications sociales, fiscales, écologiques et démocratiques. Conscients que nous avons à combattre un système global, nous considérons qu'il faudra sortir du capitalisme. Ainsi, nous construisons collectivement ce fameux toutes et tous ensemble que nous scandons et qui rend tout possible. Nous construisons toutes et tous ensemble à tous les niveaux du territoire. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. L'Assemblée des Gilets jaunes, sans laser. Donc on est tous d'accord, notre assemblée reconduit cet appel. Oui, on va diffuser. Est-ce que cet appel-là, on l'enregistre, on le lit aussi en vidéo, comme ça s'est fait à différents endroits. Ouais. On pourrait le lire à plusieurs, évidemment. On passe chacun, bah, comme tu viens de le faire, chacun un paragraphe. Et en filmant l'assemblée, si tout le monde en est d'accord, et qu'on le diffuse. Et ça, une vidéo, ça se diffuse. Est-ce que vous en êtes d'accord? Oui. Donc Thierry, c'est là, depuis le temps que je t'en parle. Du coup, on le lit ce soir ou on recèle l'autre fois? Si on a le temps ce soir, à mon avis, pendant que c'est chaud et qu'on vient de faire, ce serait le bon moment. Si on prend chacun un paragraphe, enfin chacun. Est-ce qu'on vote les autres textes? Oui, bien sûr, on continue ça. Après la pause, on peut peut-être enregistrer. Une proposition.